Les infirmières scolaires sont toujours inquiètes sur les conditions de la reprise de l'école prévue le 18 mai prochain, notamment dans les écoles primaires avec les plus jeunes élèves. Le discours du Premier ministre hier ne les a pas du tout convaincus. Elles s'interrogent sur la façon de faire respecter la distanciation sociale ou encore le lavage des mains avec les tout-petits. Tout va prendre beaucoup de temps, hein, le lavage des mains qui doit être vraiment très fréquent durant la journée. Comment sont organisées les écoles, les points d'eau, hein, il peut manquer dans beaucoup d'écoles, il peut manquer de points d'eau. Et on imagine les petits à la queue leu-leu pour un lavage des mains qui va durer encore plus longtemps que des grands. Les infirmières scolaires parlent d'une rentrée anxiogène pour des enfants qui ont bien compris ce qui se passe. Et selon elles, leur retour à l'école nécessite des moyens efficaces pour assurer leur protection et sécurité à tous les niveaux. Le protocole national, en effet, il est très détaillé, mais c'est vrai qu'on se pose la question s'il est réalisable sur le terrain. Si on doit aller dans les écoles au contact des élèves, les infirmières doivent être protégées, au même titre aussi que l'ensemble du personnel. Hein. On a besoin forcément des masques, des surblouses, et je dis bien des masques chirurgicaux. Et pour mieux intégrer les règles d'hygiène et de sécurité, les infirmières scolaires proposent que le protocole national soit complété par des pictogrammes descriptifs du lavage des mains et du port de masque.